C'était donc vous, mon cher Mythos. Je me demandais bien d'où venait toute cette agitation. Je vous reconnais. C'était vous, Arosalis, si je ne m'abuse. Vous travaillez pour Valeud. Que faites-vous ici, avec une armée de monstres éthériques? Des éthériques, vous dites? Allons donc, quel vilain mot que voilà. Ces loyaux serviteurs de Dieu sont libérés de ce fardeau que l'on appelle volonté et qui vous pousse à la folie. Ils sont purs. Ils sont divins. Quoi ? Leur quiétude a remplacé les cris des habitants de la ville. Vous allez payer pour ces crimes. Fort bien. Je l'admets, j'étais impatient que cette opportunité se présente. Que le roi Barnabas me pardonne ce petit écart. Je n'abîmerai pas le réceptacle. Je me nomme Sleipnir Arbard. Et vous allez vous soumettre! Allez, Mythos. Mettez tout votre cœur au combat. J'en attendais bien plus de la part de notre cher élu. Mon cher Mythos, si vous n'y mettez pas du vôtre, nous perdons notre temps tous les deux. Je vais donc devoir mettre le feu aux poudres. Quoi encore ? Un cadeau de l'arsenal de mon roi, la lance Gungnir. Ouvrez bien les yeux, Mythos. Oui! Pour qui?
tuer des gens. Tel est donc le pouvoir de Lithos. Mon roi. Clive! Tu n'as rien? Content de vous voir. J'étais inquiet. Malheureusement, on n'a rien pu faire pour eux. On est arrivé bien trop tard. Ouais, c'était pareil pour moi. Il faut qu'on aille prévenir Gab. Qu'y a-t-il ? Non, rien. J'espère. Impossible. Tu nous quittes déjà, Mythos ? C'est le roi. Exact. Vous êtes en présence de Barnabas Tarm, le roi sans âge et le souverain de Valeud. Reculez. J'attendais mieux de celui qui a défait le commandant de mes troupes. Mais il ne fait aucun doute que tu es bel et bien Mythos. Tu recèles un grand potentiel. Je le sens. Pourquoi tu m'appelles Mythos ? Mythos est le socle du monde. La pierre angulaire de toute création. Un digne réceptacle. Pour un dieu. Comment ça ? Je suis censé servir de réceptacle pour Ultima ? Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais je ne me laisserai pas faire. J'ai un but dans la vie, un engagement envers les miens. Dieu ou pas, je ne laisserai personne s'y opposer. Alors tu t'entêtes à affirmer que tu es un homme et que tu disposes de ta volonté propre. Je vois, le maître avait deviné juste.
Nous devons briser ta conscience. Jamais. Primordiaux gâchés par un manque pitoyable.